Et les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog itison3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu The Sinking City, donc sur PC, un jeu qui m'a été offert par Rémi Tremblay. Enfin, on n'est pas sur PC, on est sur PS4. Je dois le rappeler à chaque fois parce que je me trompe, mais on est sur PlayStation 4 et c'est Rémi Tremblay qui me l'a offert encore une fois. Merci à toi, j'ai l'impression d'avoir encore les doigts sales. Toi, tu t'en vas, hop là. C'est ta prescription de tacos. Et il a pas cherché à amputer encore. Donc, nous sommes dans le manoir des Blackwood. Ici, et nous cherchons à comprendre un petit peu ce qui se passe, comme toujours. Apparemment, il a enterré un paquet de monde. La dernière personne qu'il a enterrée est ici. Celle-ci semble plus récente. Je trouve pas ça extraordinaire. Oh, satané babiole. J'ai besoin d'un catalyseur plus puissant. Quelque chose affecté par Ctigonard. Par ici, Gordon. Le remède à votre mal vous attend. Tant de tentatives, si peu d'élus restants. Je dois continuer à chercher. Voyons voir ce qu'on a ici. Par ici, Gordon. Oh, satané babiole, tant de tentatives, si peu d'élus restants. Je dois continuer à chercher. Ebernot a tenté un rituel sur quelqu'un, mais l'homme n'y a pas survécu. Il l'a enterré et a décidé de trouver ce qu'il appelle un catalyseur plus puissant. Le sceau. J'ai fait le Futuroscope en 98, je crois. J'ai fait Disney deux fois avec mes parents. Une fois seul et une fois avec ma sœur. Et enfin, en termes de personnes qui accompagnaient mes parents. Et donc, dans ma tête, ce serait 92-98, quand on a fait Disney. Mais je suis pas sûr de la deuxième date, ni de la première d'ailleurs. Ça se trouve que c'était 95-2003, mais ça me paraît extrêmement bizarre que ce soit ces dates-là. J'ai fait aucun Europa Park ou genre de choses, par contre. J'ai jamais fait des trucs genre Walibi ou genre de choses. J'ai fait plusieurs zoos. Par contre, ils me disent qu'il y a un truc à découvrir par ici. Il y a ça. Je ferai pareil qu'ils vont me mener vers la porte. La porte qu'on pouvait pas ouvrir avant, on avait vu le saut, la porte qui porte le même numéro que le... qui est posé par là-bas. J'en étais sûr. C'est trop prévisible. Hop là. Lettre à E. Blackwood. Cher Yona, j'ai examiné avec attention l'objet de votre demande, et là je crains que vous n'ayez un... quelque peu hâtif dans vos conclusions. Ebernot est un jeune homme intelligent, certes, et doté d'un talent remarquable pour les sciences occultes. Mais rien ne semble indiquer qu'il fasse partie des élus. Il ne porte pas en lui la graine de rêveur. Ne soyez pas trop dur envers lui. Il a passé sa vie entière à se préparer pour ce destin et il aura besoin de votre soutien lorsqu'il apprendra la véracité de sa condition. Je vous conseille de l'envoyer auprès de l'ordre. Je vois en lui un prédicateur prometteur. Cordialement, Portia Marsh. C'est moi ou elle me regarde? C'est la mère Blackwood ou quoi? Venez dans la mer, cher membre de la famille, depuis que mon fils Ebernot s'est avéré être une coquille vide, nous savions que ce jour viendrait, et maintenant que la fin du cycle approche, nous ne pouvons plus retarder l'échéance. Réunissons-nous à la conserverie familiale pour nous enfuir de la ville, éviter d'attirer l'attention des autorités, et surtout ne laisser aucun étranger vous suivre. Célébrons nos derniers jours en cette ville maudite, et partons dans la mer. Laissez tous nos biens derrière vous, et une fois que vous aurons rejoint notre maître, dans les profondeurs, nous aurons tout ce dont nous avons toujours rêvé. C'est moi ou elle me regarde? Ah, j'ai pas encore trouvé tous les trucs intéressants alors.
Ah non, il continue. Ah non, ça continue par ici, ok. Un journal. Journal de Blackwood. Les vautours gagnent en audace. Ils sont venus m'attaquer dans ma propre maison. J'ai de solides défenses en place, mais ils ont l'avantage du nombre et ne savoureront pas vaincus. Mais ce n'est pas le genre du roi jeune. Je sais que vous me cherchez, monsieur Reed. La vérité à votre sujet m'a été révélée dès que je vous ai vu. Mais les hommes du roi jeune ont confirmé ce soupçon. Je ne peux vous en dire trop dans le cas où ce journal tomberait en de mauvaises mains. Cela dit, j'ai bon espoir qu'un détective de votre calibre saura comment procéder. Je vais maintenant me hâter de rejoindre mon lieu de pèlerinage avec le sceau de Krenmanagadomda. Est-ce que je t'ai trouvé ou pas? C'est tellement satisfaisant de voir toutes les preuves clés ont été trouvées. Sauf que apparemment je ne sais pas toutes trouver. Peut-être qu'il faut que je fasse le coup de la mémoire. L'exode des Blackwood. Ah, il y a plein de points dans tous les sens. Ouf, ça l'avait écrit le tout, ça explique des choses. L'exode des Blackwood, Trouver la conserverie. Ebernot Blackwood s'est enfui, mais je pense savoir où il est allé. Par le passé, il a fait plusieurs pèlerinages sur le lieu d'exil de sa famille, la conserverie Blackwood. On raconte qu'elle existe depuis l'arrivée de la famille à Oakmont. De plus, elle doit se trouver à proximité de l'eau, dans l'un des quartiers du port. Le rituel évolue. Ebernot est convaincu que le sceau de machin est nécessaire à la réussite de son rituel. Il vient de l'obtenir. Ok. Les rituels des Bernotes sont mortels. Quelles que soient ses intentions, aucun des élus s'étant soumis au rituel des Bernotes n'a survécu. Bonne nuit en soi, loco. Fais de beaux rêves, prends soin de toi. Merci d'être passé encore une fois et d'être resté si longtemps. Fais de beaux rêves et encore bravo pour ce qui s'améliore en ce moment. Pour la bonne nouvelle. Bah normalement c'est créé par Netflix, dit Ludo, donc oui, il n'y a que sur Netflix. À part si tu passes par des sites pas très sympas. Tu as bien sombré un moment. Courage Nico, tu peux le faire. Et bonne nuit aussi à toi alors Lyra. Fais de beaux rêves, prends soin de toi aussi. Et à la prochaine. Les élus, s'étant soumis au rituel des Bernotes, n'a survécu. Donc au moins on sait qu'après ça ne va plus ensemble. Trouver la conserverie, mais je n'ai toujours pas. Il me manque un élément. La haute mer. Je l'ai aimée aussi avant. Il me manque un élément quelque part. Trouver les éléments principaux, mais il manque encore quelque chose apparemment. Mais quoi? Qu'est-ce qui peut me manquer? Mais allez, Isa, va au dodo, il est déjà 4h du matin. Faut qu'on change de jeu après, mais je sais même pas sur quoi on part. Je ne sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Un truc dans le genre. Qu'est-ce qui pourrait bien me manquer, là? Qu'est-ce que je n'ai pas activé dans ce décor? Il y a forcément quelque chose qui me manque. Là, ça c'est des ressources. Coucou Elodie, comment vas-tu? Là y a rien, là y a rien, là y a des matelas mais ils me servent à rien.
Et je reste planté là. La vie ne m'apprend rien. Et ça, j'ai déjà vu normalement. Celle-ci semble plus récente. Qu'est-ce qui pourrait me manquer là-dedans? Parce que c'est jeune. C'est-à-dire qu'on a récupéré la preuve clé, ce qu'il nous fallait pour avancer, mais il me manque toujours un truc. J'entends aucun son me disant qu'il faut que je cherche ailleurs ou autre ou... Comment tu rejettes la peau de Kratos? Coucou Angelmette, comment ça va? Quoi de beau mon petit monsieur? Enfin, je dis mon petit monsieur, c'est réducteur quand même comme truc. Bon, moi je crois que j'ai fait tout le tour pourtant. Hein. La porte refuse de bouger. Est-ce qu'il pourrait me manquer quelque chose que je n'aurais pas vu? C'est moi ou elle me regarde? La porte refuse de bouger. Je sais pas où c'est... Pourquoi j'ai la sensation d'être passé partout mais sans trouver ce qui me manque? Rien de plus ici. Je vois pas ce qu'il pourrait être. Bonne nuit, Isa. Fais de beaux rêves, prends soin de toi, repose-toi bien. Et à la prochaine. Ciao, bisous. Je sais pas, je pense qu'on va pas continuer de jouer à des heures à jeu là, mais... J'aurais bien aimé trouver où est-ce qu'il faut qu'on aille. Si on continue à avoir des logos et tout, des trucs comme ça, mais... Voilà, il considère que je suis sorti de la zone. Fenêtre, on rentre. Déjà, on voit qu'il y a une fenêtre ici sur ce mur-là. Déjà, ça avance pas jusqu'au bout. Comme je vous le dis, les bâtiments sont les mêmes à l'intérieur, mais il y a rien qui... C'est pour ça que je trouve ça bizarre. Et c'est embêtant quand je tourne en rond comme ça pendant des heures. Je t'avoue que je sais plus. Hey you slut. C'est des bouteilles. Au pire, est-ce que je peux pas... Bon, faire une nouvelle. Est-ce que j'ai pas un point d'aptitude? Si. Il y a un élément de décor. Oh, tu peux l'utiliser. Essaye de tourner en carré. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on n'a pas encore essayé. On va abandonner, hein. Si ça continue comme ça.
Ça se trouve, en fait, je suis pas en mesure de trouver le dernier morceau, hein, mais... Si c'est vraiment le cas, je suis déçu. Parce qu'on est d'accord, on l'a déjà vu. Non, non, pas encore. Tac, 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 ça je prends. Y'a là, y'a là, y'a là, y'a là, y'a là, y'a là. Hop. Évidemment, les Blackwood ont un lieu pour mener des rituels. Bien équipés en plus. Bon bah. Il est peut-être temps de partir du principe que je ne trouverai jamais ce qui me manque. Ah, c'est dommage. À part cette dame, y a rien. Pas un tableau qu'on peut regarder, non. Genre celui-ci. Non plus. Et ça là-bas. Est-ce qu'il y aurait pas des trucs à prendre en photo sinon? Je sais pas où aller. Ouais non, faut pas que je me tienne droit, ça fait trop mal. On l'a déjà vu X fois. Bon bah on s'en va. On s'en va. Non mais je pense que c'est les reflets qu'on voit de temps en temps. Je pense que c'est juste des reflets. Parce que ça on l'a déjà vu. Ouais, allez, viens, on se tire. Je vais pas vous faire poireauter non plus des heures avec moi, ça sert à rien. Des fois, je vois des reflets, et comme ça apparaît sous forme de points blancs, les trucs, tu dis « Ah, ah, c'est là !» Enfin, en fait, non, c'était un reflet. Donc ça, c'est vu, ça, c'est fait. Toc, toc... Toc. C'est vrai qu'il est déjà 4h, faut qu'on change de jeu, mais je ne sais pas encore sur quoi passer. C'est un peu embêtant, ça, je l'avais vu. Même à l'extérieur, il n'y a rien. Mais en même temps, on peut pas être à l'extérieur, puisque vous voyez que le truc apparaît en plus loin. Pas là, quoi. À moins que ce soit ça. Ce pauvre type n'est pas allé bien loin. Ah bah si, c'est bon, on l'a tout trouvé. Ah bah voilà. Tu m'étonnes que je pouvais tourner en rond pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Le truc est à l'extérieur. C'est bon, on l'a tout trouvé. Maintenant. Il nous faut aller chercher dans les archives. L'arrivée de la famille à Oakmont. À proximité de l'eau, dans l'un des quartiers du port. Faudrait qu'on aille à la mairie. On partit, Angel. Merci, Lodi. On est en partie terminée. En gros, on a fait le royaume, les quêtes principales. Et après, le reste, ça m'intéressait pas. C'était plein de petites quêtes où il fallait chercher un objet et il apparaissait pas sur la carte automatiquement. Ou alors, il fallait juste faire du level up, c'est-à-dire qu'on était niveau 70, je crois, ou 80.
Et les quêtes suivantes, t'es niveau 120. On avait déjà beaucoup trop joué au jeu de mon, point de vue. Alors. Je suis en train de me dire que c'est un bâtiment important. On doit avoir une cabine téléphonique pas loin. Mais donc oui, qu'il est long, c'est bon, on l'a. Sympa la statue. C'est là que c'est vraiment quelqu'un. Ah! Il y a un point de téléportation par là-bas. Non, c'est pas une zone infectée, c'est parfait. On va chercher le point de téléportation qui est au bout là-bas. Direction la mairie. Parce que c'est long. La mairie, on va faire une recherche. La mairie, elle est ici, je crois. Hôtel de ville, oui, c'est ça que je veux. Merci. Ah, bobo. Ah, c'est beau, vous êtes pile 63 sur le stream, apparemment. Ça, c'est du bon département, 63. Pendant quelques secondes, j'ai douté, est-ce que c'était département ou région. Mais non, c'est bon. Je suis pas aussi paumé que ça. Faudrait que j'enlève l'épingle là, sur la quête qu'on a. Ça sert à rien. Veuillez patienter jusqu'à la fin du chargement, merci. Alors, toc, on va là, sujet, entreprise, période, registre, quartier. Attends, j'en ai aucune. Ah si, trouver la conserverie. À proximité de l'eau dans l'un des quartiers du port. Donc c'est soit Grimhaven, ok, donc ça marche pas, ça y est, document Lego, conserverie Blackwood Marsh, conserverie Blackwood Marsh, établie en 1973, propriétaire Iona Blackwood, Allodous Marsh, adresse, croisement de au centre de Grimhaven Bay, ok, on va là, donc on a dit Grimhaven Bay, donc ça doit être ça en fait. Donc ce serait là, ouais. Au moins ça va aller vite. On sait où aller. De quoi qu'il louche ? Hop là. Astur, ça me dit rien, moi, Astur. Je connais pas. Mon dernier granola. Cher granola, adieu. D'accord, bon, on y est. Là.
dire que je pensais enfin arriver en premier, pour une fois. Tiens, bonjour, monsieur Reed. Je ne m'attendais pas à vous voir ici aussi vite. On se connaît ? Vous me blessez. Les rois jaunes savent tout ce qui se passe ici, y compris vos escapades. J'ai déjà eu affaire avec les manigances de votre gang. Vous vous chargez plutôt de quel créneau ? Nous ne sommes que des citoyens inquiets. Et voici justement le genre de situation qui nous inquiète. J'ai cru comprendre que vous aviez perdu quelque chose d'important. Nous sommes ici pour vous aider à le récupérer. Le sceau. Voilà. Faut le retrouver avant que vous ne deveniez cinglé comme tous les autres élus avant vous. Qu'est-ce que vous avez dit sur les autres élus ? Tous les élus deviennent fous, tôt ou tard. Je sais pas ce que vous faites, mais vous avez intérêt à vous dépêcher. C'est rassurant, merci. Vous n'y êtes pas immunisé, et de ce que je sais, ça se voit. Qu'est-ce que vous y gagnez ? Je fais ce qu'on me dit, et le patron a été très clair là-dessus. Et qui est votre patron ? Ne vous inquiétez pas, monsieur, il vous trouvera quand tout sera réglé. Alors on a un compte à régler ou pas ? Absolument pas. Vous êtes là, alors faites ce que vous avez à faire. Laissez-nous faire notre boulot de notre côté. Si Ebernote Blackwood monte sa face de poisson, nous le ferons taire pour de bon cette fois. Vous en faites pas. Nouvel indice dans le palais. On vous couvre, monsieur Reed. C'est gentil, j'aurai moins froid. Alors, voyons voir un petit peu par ici. Bonjour, monsieur. Ne vous en faites pas, je reste ici. J'ai envie d'aller explorer de partout. Voilà le doigt. Oh, de quand date ce repas ? Personne n'aurait pu nettoyer ici ? On dirait que la réunion a pris fin brusquement. En effet, ils ont dû être dérangés. Ah, Benezer, c'est ça, Blackwood. Monsieur Blackwood, je vous remercie de votre générosité. Chacune des conserves de poissons que vous avez fait livrer nous sera d'une grande aide. En ce qui concerne votre demande portant sur les cas récents d'hallucinations collectives, sachez que la confidentialité de nos patients est une de nos priorités, mais que nous consentons néanmoins à faire une exception pour votre noble personne. Je tâcherai donc de vous relier toutes les informations pertinentes à ce sujet. J'estime cependant qu'il est de mon devoir de vous poser cette question, monsieur Blackwood. Quel intérêt portez-vous à ce phénomène, docteur Palmer ? J'ai de la chance que ces pourritures aient laissé leur note avant de fuir. Tous les élus sont marqués dedans. Alors, moi, je n'ai lu pour l'instant que l'appel de Cthulhu, que je n'ai pas trouvé extraordinaire. Et le journal de Charles Dexter Ward, que par contre, j'ai beaucoup aimé. C'est le seul que j'ai lu pour l'instant. Clé de l'usine. Impossible de porter davantage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop aller dans l'inventaire. Pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Donc normalement, je devrais pouvoir être en mesure de reprendre des trucs ici. Dildo du Mordor, j'avais pas vu que t'avais rechangé de pseudo. J'en suis à... On avait calculé tout à l'heure. 22, 23 heures. À peu près de jeu dessus. Donc ça, c'était peut-être fermé avant. Je sais pas. Comme je dis, j'ai beaucoup apprécié l'affaire Charles Dexter Ward, mais le reste, je n'ai pas encore vraiment pris le temps de le lire. Déjà parce que je lis pas longtemps.
Je peux pas lire longtemps en fait. Ancienne prophétie. Depuis la nuit des temps et avant l'âge de l'homme, et 7 ans loin sous la terre. C'est dans cette prison d'horreur que repose la fille cachée du rêveur, condamnée à jamais en ses murs. Mais il existe ceux qui sont désireux de libérer sa fille. Si la graine du rêveur lui était seulement retransmise, à chaque tournant du cycle, ceux qui portent la graine sont conduits à un mu par de terribles visions. Le sceau de ouvrira la voie. Nombreux sont ceux qui essaieront et périront. Quand les étoiles seront alignées et que le rêveur ébranlera son domaine, l'élu accomplira sa destinée. Sa fille sera libérée et de son giron, le rêveur naîtra à nouveau. Est-ce que le son que j'ai entendu, c'est eux qui se battent ou pas? En tout cas, j'ai bel et bien récupéré le seau. C'est bon. Plus rien, on remonte, c'est tout. C'est bien ce que je me disais. Il a tué tout le monde. Ça change rien que sauvegarde en fait, mais bon. Ouais, j'ai été pas conquis par l'appel de Cthulhu. J'ai trouvé ça court et pas forcément super intéressant. Allez hop. Vous voilà enfin, monsieur Reed. Je commençais à me dire que j'y étais allé un peu trop fort. Vous avez une drôle de façon de faire des avances. Vous n'êtes pas en reste non plus. J'espérais pouvoir parler avec vous. C'est la moindre des choses. Après avoir ramené cette racaille avec vous. Cette racaille était là quand je suis arrivé. Dites-moi ce qu'ils cherchaient. Ils sont un désagrément qui me poursuit depuis un certain temps. Je ne connais pas leur chef, mais ils semblent déterminés. Et c'est pourquoi vous les avez massacrés? Ils voulaient ma mort, je me suis défendu. Ayez regardé de plus près, monsieur Reed. Vos mains ne sont-elles pas souillées de la même façon? Alors attends, tout de suite déjà, hein, on va mettre les choses au point. Moi je suis le héros du jeu. Hein, donc t'es bien gentil, mais c'est pas pareil. Vous m'avez sauvé, pourquoi êtes-vous ici? Vous m'avez sauvé la vie au temple de Dagon. Pourquoi? Comment aurais-je pu faire autrement? J'avais deviné que vous étiez un élu, vous aussi. Nous suivons la même voie, vous et moi. J'ai fait preuve d'assistance envers un compagnon de voyage, ni plus ni moins. Oh, ça me rassure beaucoup, ça. Les profonds, j'avoue que je connais tellement peu l'univers Lovecraft, tiens, que c'est compliqué. Vous êtes ici en pèlerinage, alors? C'est ici que ma famille se rassemblait jadis, avant de descendre dans les profondeurs pour ne plus jamais voir le soleil. Ils m'ont laissé ici en guise de punition pour m'être avéré décevant. Je n'avais pas la malédiction qu'ils souhaitaient, comme si je n'étais bon qu'à ça. On m'a dit que tous les élus deviennent fous, c'est vrai? Tous, sans exception. Aucun être humain ne supporte la malédiction. Mais moi, j'étais destiné à porter ce fardeau. Ce devait être le mien, et pourtant, il se refuse à moi. Je ne vous laisserai pas le sceau. Voyons, Charles, un peu de tenue. Vous en savez assez maintenant pour comprendre ce que ça signifie. Laissez-moi vous faire une offre. J'ai été élevé dans ce but. J'ai attendu toute ma vie pour ce moment. Je suis un élu. Je suis l'élu. Permettez-moi de vous soulager de ce fardeau. Vous pouvez m'éviter de sombrer dans la folie ? Je le peux, grâce à un rituel de mon invention. Il y a eu des revers, certes, mais avec un élément de Ctigonard dans mes mains, je sais que cela va fonctionner. Vous avez intérêt à être plus clair, Blackwood. Je peux extraire la graine du rêveur qui est en vous. Je porterai ce fardeau jusqu'au fond des abîmes stygiens sous la ville. Et vous serez libre, libre de m'aider dans cette quête d'égal à égal, ou de fuir la ville. Avec toute votre raison intacte. Ce n'est sûrement pas aussi simple. Rien de tout cela ne fut simple. J'ai donné tout ce que je possédais, tout, pour me trouver ici. Je sais que c'est mon destin. Bonne nuit, Kabé.
Fais de beaux rêves, prends soin de toi, merci d'être passé encore une fois et à la prochaine, ciao, bisous. Laissez-moi vous aider, je vous en prie. Ce n'est pas la fin de votre voyage. Ah! Tu ratais un message. Comment vas-tu, Mimposama? Tu y vas aussi, Pierre Slider? Fais de beaux rêves. Prends soin de toi si tu y vas. Merci aussi d'être passé. Le dilemme. Non, mais il a tué tous ses précédents trucs, donc il les fait bien savant fou, hein, mais... J'hésite. J'hésite. Ce que je préfère, c'est rester 4 minutes ici à attendre que le temps passe. Et vous dire au dernier moment, mais en fait, on va couper la rediffusion, on le fera le choix demain. Mais enfin, demain ou pas, ça va dépendre de quel jeu je ferai en début de soirée. Pas question, je prends le saut. Bon, on fait quoi, les gens? Est-ce que je lui dis non ou pas? J'ai vu ce qui est arrivé à vos autres cobayes et je ne compte pas en faire partie. Je pars. Je ne peux pas le permettre, Charles. Vous avez fait le mauvais choix. La mort attend quiconque se dresse entre moi et mon destin. Ah. Moi, ça m'aligne, c'est bon là? Agri est-il lettré? Ouais, il sait un petit peu écrire quand même, il fait beaucoup de fautes, mais. Alors, on a de nouvelles informations dans le palais de la mémoire. Gardez un œil sur tous les élus présents à Oakmont. Lutte contre la malédiction. Hibernate Blackwood souhaite libérer ceux qui portent la graine de leur fardeau maudit, j'ignore pourquoi ni comment. Non. Non. Si je me débarrasse pas de la graine sous peu, je deviendrai complètement fou, comme les autres élus. Obsession dangereuse. Ebernote semblait voué à un grand destin qui lui a échappé. Il est obnubilé par l'idée de devenir un élu. Toc. Sa malédiction est ignorée. Ebernote a tenté de créer un rituel visant à libérer les élus de leur malédiction, mais toutes tentatives récentes se sont soldées par la mort du participant. Il semblerait que ce fardeau n'appartienne qu'à moi seul. Je dois reprendre le sceau des mains d'Ebernote. Ebernote a créé un rituel capable de libérer les élus de leur malédiction et s'emparer du sceau de nain et prétend qu'il s'agit de la dernière pièce manquante. C'est ma seule et dernière chance de me sauver de toute la folie, je dois retrouver. Ben, je vais peut-être avoir une mauvaise foi. Je peux pas te fouiller, toi, c'est bon? Non. Ensuite, toc toc toc. Blackwood ne voulait pas me donner le sceau de nain, j'ai donc été forcé de l'abattre. L'histoire ne donnera que si c'était un visionnaire ou simplement un fou. Quoi qu'il en soit, Johannes van der Berg m'a demandé d'aller le voir à son théâtre après avoir récupéré le sceau. Il me révélera peut-être les prochaines étapes à suivre.
Ouais, donc ça c'est bon, on sait où le trouver. Parfait, on va aller au théâtre. Quoi qu'on arrive à 40 minutes, est-ce que nous ne pourrions pas couper ici et changer de jeu? Parce qu'on est à 6 heures de jeu là, il est quand même 4 heures du matin. Le truc c'est qu'est-ce qu'on attaque à côté comme jeu? C'est la question. Toc toc toc, donc on avait dit tout là-haut. Il est où déjà le... Là. Crown Theater. Donc on va se téléporter ici. C'est vrai qu'il y a Subnautica. Après, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer à Subnautica là? Je crois que je m'en suis un peu lassé du jeu. Subnautica à force. Pourtant, je crois qu'il me reste juste à descendre plus bas et à découvrir ce qui s'y passe, mais... A voir. Je crois que c'est par là, hein. Attendez. On va faire le tour par là. C'est vrai qu'on l'avait pas fini non plus. Ah, je sais pas. C'est compliqué la vie. Parce que normalement la logique c'est fin de nuit, c'est jeu de gestion. À peu près jeu de gestion, jeu de stratégie, genre de choses quoi. Pourquoi je me déplace encore? Deux mines à tremper du dos. Oh, quand même. Bon, à couper la reddition, je sais pas pourquoi j'avance. Puisque de toute façon. Ça va nous mener nulle part cette histoire. Je pense pas qu'il y ait de points de déplacement rapide par là-bas. J'en vois pas. Donc on va couper la rediffusion ici, j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestesjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live. Pum 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 p